vivez. Vivez. Il y a plein de femmes qui sont là. Voilà. Il y en a qui vous attendent même. Vivez. Allez au charbon. Allez là-bas. Faites des relations. Et puis vous verrez ce qu'il en est. En ce qui concerne les courses, il y a une catégorie de personnes avec qui je ne peux absolument pas parler. On ne peut pas discuter ensemble, cette catégorie de personnes et moi. C'est impossible. Il y a des personnes qui vont faire les courses tous les mois dans le même magasin. Ce magasin propose des scannettes. Donc, tu arrives là-bas, tu scannes ta carte de fidélité, bam, tu prends la scannette. Quand tu es dans les rayons, bip, tu fais juste bip sur ton article et puis ça scanne l'article. Ces gens-là, ils vont là-bas, ils vont quand même en caisse. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Donc en fait, vous aimez faire la queue. Vous aimez perdre du temps en caisse pour que la dame, elle passe vos articles sur la caisse. Mais qu'est-ce que vous gagnez à ça? Et puis quand vous parlez à la caissière, vous êtes méchant en plus. Hein? Vous allez parler à la caissière, vous êtes méchant. Les mêmes personnes qui vont dire « Ouais, Des, moi, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. » Mais commencez par prendre les scannettes déjà. Hein? Commencez par prendre les scannettes. Regardez, là, maintenant, comment c'est. On sort d'Auchan, c'est la guerre, c'est la queue. Tout ça, c'est les gens de la caisse. Voilà. Ça, c'est les gens de la caisse. Je suis sûr et certain, c'est les gens de la caisse. Bon, laissez-moi rentrer tranquillement d'abord, mettre les produits au frais et puis après, on discute tranquille. La vidéo d'aujourd'hui, je vais m'adresser principalement aux hommes. Je sais que ce que je vais dire va concerner aussi les femmes. Du côté des femmes, c'est exactement la même chose, mais je veux parler aux hommes parce que c'est majoritairement des hommes qui interagissent avec mes vidéos, qui interagissent, qui regardent mes vidéos, qui commentent mes vidéos, qui partagent mes vidéos, etc., etc. Il faut vivre les expériences. Il faut vivre les relations, il faut vivre les expériences. Moi, ce que je déteste, en tout cas, je n'aime pas les généralités. En fait, j'ai beaucoup de mal avec l'idée de dire qu'une personne ou un groupe de personnes est comme ça à cause d'une chose, tu vois. Ouais, si une femme a fait ça, ça veut dire qu'elle est comme si. Une meuf qui fait pas ça, ça veut dire qu'elle est comme ça. Ceci, ça veut dire que ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. J'ai trop de mal avec ces idées-là. Et j'ai aussi du mal avec les personnes qui disent beaucoup de choses sans avoir vécu les choses en question ou sans avoir étudié les choses, sans avoir la connaissance sur ces choses-là, sans avoir étudié ces choses-là, etc., etc. Et malheureusement, ce que je remarque énormément ces derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de discours-là, des discours qui sont extrêmement fermés. Des fois, je lis mes commentaires et je lis les commentaires d'autres vidéos qui parlent de relations humaines, je tombe de haut. Ouais, une personne qui fait pas ci, ça veut dire ça. Si une femme, elle fait pas ça, ça veut dire cela, cela. Nanani, nanana. En fait, c'est catégorique. Limite, en fait, on est dans des boîtes, on est dans des cases. Si tu fais ci, t'es bon. Si tu fais pas ça, t'es pas bon, etc., etc. Je veux bien comprendre que pour certaines choses, ce soit vrai. Il y a des choses qui sont évidentes. Mais pas pour tout. Je suis désolé, pas pour tout. J'ai un exemple qui est flagrant. Il y a plusieurs mois de ça, ça fait longtemps. Plusieurs mois de ça, j'avais posté une vidéo. C'était un petit reel sur Instagram. Cette vidéo, en fait, elle disait que tu peux avoir des couples où y a l'homme qui touche plus que la femme, ça se passe bien. Tu peux avoir des couples où il y a la femme qui touche plus que l'homme, ça se passe bien. Tu peux avoir des couples où les deux gagnent à peu près pareil et ça se passe bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans les trois configurations, il y a des couples où ça se passe bien et il y a des couples où ça se passe mal. Suite à ça, il y a 4-5 gars qui sont venus me parler dans les commentaires. Ouais, Des, c'est impossible ce que tu dis, nanani, nanana. Il y en a, ils sont venus en DM et tout. Non, c'est pas vrai. Si un homme, il gagne plus, si un homme, il gagne pas plus, il est dans la mouise. À partir du moment où une femme, elle gagne plus, elle va l'écraser. Je ne sais quoi, je ne sais quoi. Patati patata. C'est sûr à 100% dans toutes les situations, dans tous les couples, c'est comme ça. J'ai écouté ces discours-là. J'ai écouté. Il n'y a aucun problème. Et je me suis mis à discuter avec ces gens-là. On a discuté. Et puis, au fil de la conversation, j'ai posé la question de base. Quelle est ton expérience par rapport à ce problème-là? Qu'as-tu vécu, toi, dans tes relations en lien avec ce problème-là? À quel moment as-tu rencontré ça dans ta vie? Aucune de ces 5 personnes-là n'avait vécu cette situation. Pourtant, ils arrivaient à me sortir toute la science du monde. Ouais, mais je sais pas quoi, d'après tel livre, patati patata, nanani. Mais j'ai déjà dit, on n'est pas dans les livres. On n'est pas dans les livres, on est dans le monde réel. Je pense vraiment qu'il faut vivre ces relations. Le truc, c'est que à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'informations qui traînent sur Internet et c'est une bonne chose qu'il y ait énormément d'informations. On est là,
on a des téléphones. Là, tu as toute la connaissance dans tes mains. Tu vois, tu peux aller, tu regardes tout, tu peux savoir plein de choses sur les relations humaines, sur les comportements humains, etc., etc. C'est génial. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont prendre ces informations-là, qui ne vont faire aucun tri derrière. Ça veut dire qu'ils vont prendre les infos, ils vont se dire « Ah, c'est comme ça, ok. » Mais ils vont pas se dire « Bon, puisque c'est comme ça, je vais aller vérifier par moi-même en testant, en pratiquant sur le terrain, voir ce qu'il en est. » Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, on se retrouve avec une sorte de génération d'experts, de personnes qui pensent tout connaître sans avoir vécu les choses. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est vraiment dommage parce que le meilleur moyen d'apprendre dans absolument tous les domaines, c'est l'expérience. Donc moi, c'est tout ce que je voulais dire à travers cette vidéo. Ne restez pas figé sur des choses que vous avez entendues dans des vidéos YouTube, sur des choses que vous avez lues dans des livres. Les personnes qui écrivent les livres sont des gens comme vous. Ce sont des gens comme vous. Toi qui regardes cette vidéo, si tu penses comme ça, sache que toi aussi, demain, tu peux écrire un livre. Et il y a un gars aussi qui va prendre ton livre et il va dire « Ouais, mais regarde, j'ai lu le livre d'un tel. » Mais est-ce que ça veut dire que c'est parce que c'est écrit dans un livre, c'est la réalité absolue? Non, ça ne veut pas dire ça. Va vérifier toi avec le type de personne que tu côtoies, avec le type de personne que tu apprécies, avec le type de personne qu'il y a dans ton entourage. Va voir, va vivre tes expériences. À partir de là, tu pourras dire « Là, moi, sur base de telle expérience que j'ai eue, je peux affirmer en tout cas que pour moi, ben, lorsqu'une femme fait ci, eh ben, ça veut dire ça parce que je l'ai vécu comme ça. » Ok, et puis après, là, on peut discuter. On peut discuter de ce que tu as fait, ce que tu n'as pas bien fait, etc., etc. Où est-ce que je veux dire? Mais on ne peut pas rester figé sur des idées comme ça parce qu'on a entendu, parce qu'on nous a dit ou parce que ça nous arrange de croire ça. Parce que très souvent, c'est ça. On a plein d'informations en fait autour de nous et généralement, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va retenir, il va garder, il va sélectionner les informations qui l'arrangent. Parce qu'on va toujours dans le sens qui nous arrange. C'est un de nos défauts, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est un défaut, une qualité, une caractéristique, on va dire. Et c'est vraiment dommage de faire ça sans vivre les expériences. Vivez. Vivez. Il y a plein de femmes qui sont là. Voilà. Il y en a qui vous attendent même. Vivez. Allez au charbon. Allez là-bas. Faites des relations. Et puis, vous verrez ce qu'il en est. Vous verrez si vos pensées sont justifiées ou si c'est une erreur à l'inverse. C'est tout ce que je voulais dire à travers cette vidéo. Dis-moi ce que t'en penses. Comme d'habitude, mon numéro pour le coaching s'affiche juste en dessous de l'écran. Donc, comment ça se passe? Tu m'envoies un texto avec ton nom, ton problème en 2-3 mots. On programme un appel téléphonique et puis cet appel téléphonique nous permettra d'aller vers un accompagnement que je pourrais te proposer si je peux t'aider à régler ton problème, à atteindre ton objectif. Et puis moi, je te laisse là. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Abonne-toi à la chaîne, mets un petit like sur cette vidéo, même si je sais que cette vidéo ne va pas plaire à beaucoup de gens. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre ce genre de choses-là. Mais moi, je veux dire la vérité. Donc, donne-moi ton avis dans les commentaires, surtout si tu n'es pas d'accord, ça m'intéresse. Et puis moi, je te laisse là. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend en quelle heure tu regardes ça. Salut mon petit loup et à la prochaine.